Salut les rétrofans! Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons voir la machine à Kakigori Dragon Ball Z. Alors, c'est quoi qu'est cet item? C'est un objet pour faire des glaces dites Kakigori. C'est des glaces à base de glace râpée. Donc, petite observation de la box. Donc, comme vous pouvez voir, c'est visuel DBKI. Il n'y a pas de date sur la boîte, donc je ne sais pas de quelle date ça date exactement, mais ça doit être 2005, un truc comme ça. Maintenant, regardons plus en détail la machine en elle-même. Donc la finition est plutôt pas mal. Je m'attendais à un truc plus gadget que ça, en fait, c'est très fonctionnel. Que dire donc? Donc comme vous pouvez voir, visuel sur le devant, qui a en fait le côté. En haut, vous avez un espèce de mécanisme du coup qui broie la glace, qui est une petite manivelle, avec un petit cache que vous pouvez nettoyer. Et donc comment ça fonctionne? C'est tout simplement une espèce de lame qui est fixée à l'intérieur et ça râpe la glace. Et maintenant évidemment on va utiliser la machine. Donc du coup là-dedans en haut on va mettre de la glace, donc des petits glaçons format standard, ça marche très bien. Voilà, on met 2-3 poignées. Alors, il faut que ce soit rempli mais pas trop. Ensuite on remet le mécanisme évidemment. On le visse et après c'est prêt, il n'y a plus qu'à râper. Alors c'est très plaisant à utiliser, moi je m'attendais vraiment à un truc un peu naze, mais en fait non, ça marche très bien. Et en quelques tours de main, on obtient donc ça, et il ne reste plus qu'à le napper avec un sirop de son choix. Au Japon, les goûts les plus populaires sont le Blue Hawaii, celui-ci le bleu, et melon, à savoir évidemment qu'il y a tout un tas d'autres goûts. Et qu'à l'origine on y met du thé matcha. Donc il y a trois petits trous en dessus là. Hop, on fait couler la dose qu'on veut, selon si on est gourmand ou à régime. Évidemment on peut faire des mélanges, en mettre plusieurs et tout ça. C'est simple, c'est rapide et ça fait plaisir en été. Itadakimasu. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager. Et de vous abonner à la chaîne en cliquant bien sur la cloche.